Tesla aurait espionné ses employés. Selon un ancien salarié, Tesla aurait espionné ses salariés en piratant notamment leurs téléphones portables et leurs ordinateurs, a déclaré un ancien employé de l'entreprise, Carl Hansen. De plus, selon lui, le groupe n'aurait pas rapporté aux autorités des informations sur les éventuels liens d'un des employés avec un cartel mexicain. L'ancien employé de Tesla, Carl Hansen, a affirmé que Tesla avait espionné plusieurs de ses salariés, en piratant notamment leurs téléphones portables et leurs ordinateurs. Dans le même temps, il a déclaré que le groupe n'avait pas rapporté à ses actionnaires le vol au premier semestre de 2018 de cuivre et d'autres matières premières dans la méga-usine du groupe dans le Nevada, et ce pour un montant évalué à 37 millions de dollars. Toujours selon lui, Tesla n'aurait pas rapporté aux autorités des informations sur les éventuels liens d'un des employés avec un cartel mexicain, relate l'agence Reuters. Le PDG des groupes Tesla et SpaceX a réagi à ces accusations dans un article du site Gizmodo.com. Ce type est super. Je dis simultanément que notre sécurité est mauvaise, ce n'est pas génial, mais je suis sûr que nous ne sommes pas une branche du cartel comme il prétend, et que nous avons une capacité d'espionnage incroyable. Les deux affirmations ne peuvent pas être vraies, a ainsi déclaré Elon Musk. Contacté par l'AFP, Tesla assure que les accusations de M. Hansen ont été prises très au sérieux. En revanche, selon Tesla, certaines de ses affirmations sont « simplement mensongères ». Le groupe a alors suggéré d'engager des mesures d'enquête supplémentaires.